bien, on va jouer au basket. Bonjour, maman, on va jouer au basket. Parce que j'ai une maladie, pas courir ni jouer. Bah, tu peux au moins venir me voir. Oui, je vais venir voir. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Bonjour, moi je suis Céline, donc je suis la maman de Luc qui a 11 ans et qui souffre d'une des 53 maladies lysosomales. Donc les maladies lysosomales sont des maladies génétiques qui sont rares et dégénératives malheureusement. Donc Luc souffre de la mucopolysaccharidose de type 1, qu'on appelle aussi MPS1 pour aller plus vite, ou maladie de Hurler. Donc les maladies lysosomales, malheureusement, c'est pas des maladies qu'on arrive à guérir pour le moment. Donc Luc, on a quand même réussi un petit peu à freiner l'évolution en faisant une greffe de moelle osseuse quand il avait 18 mois. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi à guérir son corps en entier. Donc voilà, Luc souffre de surdité par exemple, il a des problèmes cardiaques. Et surtout au niveau des os et des articulations, la maladie en fait progresse. Et donc petit à petit, là, Luc perd un petit peu de sa mobilité. Voilà, puisque ses os ne poussent pas très bien et ses articulations s'enraidissent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Luc, le basket, c'est compliqué, il ne peut pas jouer au basket parce que courir longtemps sur un terrain, c'est de plus en plus difficile. Hein, ouais, même à la récré, ça commence à être dur. Ouais, bon, voilà. Mais bon, voilà, on fait partie donc de vaincre les maladies lysosomales. Moi, je siège au conseil d'administration. Donc, qu'est-ce que c'est vaincre les maladies lysosomales? C'est une association de parents d'enfants malades et de malades adultes, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont malades et qui sont adultes. Et le but de l'association, c'est de se fédérer entre parents, de pouvoir s'aider, de se soutenir, et aussi de récolter des fonds pour permettre la recherche sur nos maladies, parce que c'est comme si ce sont des maladies rares, et on a besoin de mobiliser et de récupérer des fonds pour pouvoir faire de la recherche sur nos maladies rares. Voilà. Donc merci de soutenir VML. On reviendra jouer au basket. Voilà, on viendra rejouer au basket la prochaine fois. À la prochaine fois, Luc. À la prochaine fois, Romain. Vous dépassez. Ah, okay.